Laisse-moi finir mon histoire. Chut. Arrête. Et après, et ben le chien, il lui fait pipi dessus. Chut. Bon, mais ça suffit, hein. Maintenant on dort. Mais allez, s'il te plaît, on peut se raconter une plus dernière histoire. Ah ouais. Non. Mais allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Dernière. Bon, d'accord. Yes. Vous voyez la cabane, celle qui est près de la forêt? Celle qui est juste derrière l'école? Ouais, celle-là. Et par avant, cette cabane, il paraît, c'était la maison d'un vieux monsieur qui s'appelait Van Dugan. Il était bûcheron, il avait une jambe de bois. Ça fiche la trouille. Oh, le trouillard. Mais non, mais pas. Laissez-moi raconter. Et ben, Van Dugan, un soir, il était tout seul chez lui. Et dehors, c'était la tempête et c'était la neige. Il y avait du vent et ça faisait du bruit, il faisait froid. Van Dugan, il était assis devant sa cheminée. Et tout à coup, le feu, et ben, il s'éteint. Et là, il y a une voix qui s'élève et qui dit: Van Dugan, la jambe. Van Dugan, il comprend pas ce qui se passe. Il est tout seul, il n'y a personne. Alors il prend sa hache, et il sort et il va dans la forêt. Et quand il commence à marcher dans la forêt, et ben là, il y a plusieurs voix qui commencent à dire aussi: Van Dugan, la jambe. Il y a comme des dizaines de voix tout autour de lui qui chuchotent: Van Dugan, la jambe, la jambe. Et Van Dugan, il cherche, il dit: mais qui me parle? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Il ne comprend pas parce qu'il n'y a que des arbres autour de lui. Van Dugan, la jambe. Et là, Van Dugan devient fou, il prend sa hache et il coupe sa parenthèse. Dis donc les enfants, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous savez l'heure qu'il est? Faut dormir maintenant, allez hop. Mais on n'est pas fatigué. Non, je suis pas d'accord, vous dites ça à chaque fois. Vous êtes peut-être pas fatigué maintenant, mais demain vous aurez des petites feuilles et vous pourrez pas faire votre photosynthèse. Donc maintenant, tout le monde au lit. Allez. Oui, maman. On est désolé, maman. Maman. Oui, mon chéri. Est-ce que c'était vrai que il y avait des méchants bûcherons qui pouvaient nous attaquer? Mais non, mon chéri. Mais non, tu sais bien, nous, on est des plantes domestiques. Il ne peut rien t'arriver. Tu promets? C'est promis.